président, Sa Majesté le roi du Maroc. En recevant le roi du Maroc à l'occasion de sa visite d'État, notre Assemblée se réjouit d'accueillir le souverain d'un pays dont l'amitié pour la France ne s'est jamais démentie, malgré les inévitables vicissitudes d'un long destin commun. D'un pays aussi jeune et entreprenant qu'il est chargé d'histoire, d'un pays tout entier tendu vers la paix, le progrès et la modernité. Mais comment sire ne pas évoquer en ces instants la haute figure de votre père, restaurateur de l'indépendance du Maroc? Comment ne pas penser avec émotion à ce grand roi qui aimait la France, qui n'avait jamais douté de son relèvement et qui n'imaginait pas que nos deux pays puissent se passer l'un de l'autre? Comment ne pas nous souvenir de ce sultan qui, dès le 3 septembre 1939, avait invité les Marocains à combattre à nos côtés, qui, tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, se refusa à tout contact avec les autorités ennemies, de ce compagnon de la libération, dont il fut si naturel et légitime qu'il assista le 18 juin 1945 aux côtés du général de Gaulle, honneur insigne, au défilé célébrant la victoire. Et comment, dès lors, ne pas dire à nouveau, 51 ans après, dans cet hémicycle et devant vous, notre respect, notre reconnaissance pour ces magnifiques soldats marocains qui s'illustrèrent dans les Flandres, à Cassino, sur le Garigliano, en France, sans jamais ménager leur peine ni reculer dans les sacrifices, pour nous aider à reconquérir notre liberté. Vous êtes, il est vrai, sire, à la tête d'un grand peuple, fier et courageux, d'un peuple ouvert aussi, chaleureux, héritier d'une grande culture à la fois arabe, africain et pleinement méditerranéen. Dans une comparaison imagée qui vous fut souvent empruntée, vous avez dit un jour que le Maroc ressemblait à un arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre d'Afrique et qui respire grâce à son feuillage bruissant au vent de l'Europe. On ne saurait oublier en effet que la province romaine de Mauritanie-Tingitane a été créée à peu près au même moment que les provinces romaines des Gaules, ou encore que deux brillantes dynasties, celle des Almoravides puis celle des Almohades, régnèrent de part et d'autre du détroit de Gibraltar, liant étroitement l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord, rayonnant depuis Cordoue à qui nous devons une bonne part de l'humanisme moderne et de ce qu'on appellerait bientôt les Lumières. Voilà qui faisait déjà du Maroc un véritable trait d'union, vocation à laquelle il n'a jamais renoncé et qu'il entend plus que jamais assumer. Voilà aussi qui aura contribué à inspirer au Maroc cette conception d'un islam serein et tolérant, ouvert aux progrès techniques et scientifiques, comme en porte témoignage parmi tant d'autres réalisations la grande mosquée de Casablanca. Cette conception est aujourd'hui servie, sire, par l'influence considérable qui est la vôtre dans l'ensemble du monde islamique.
Ce n'est pas par hasard que vous présidez l'organisation de la conférence islamique et le comité Al-Quds. Le sens de l'histoire et de la mémoire qui est votre marque, la volonté de modernité que vous savez allier au respect des traditions qui font l'âme d'un peuple, donnent à vos initiatives et à vos propos une autorité singulière. C'est dire que tout ce qui touche à votre démarche est important, important non seulement pour votre pays, mais aussi pour l'ensemble des riverains de la Méditerranée. Voilà d'ailleurs qui ne manque pas d'inspirer aux quelques 700 000 Marocains qui vivent en France une attitude souvent citée en exemple et fort bénéfique. Ces Marocains de France nous apportent le témoignage des progrès que ne cesse d'accomplir le Maroc dans le domaine économique au prix d'efforts méritoires. Le développement est en effet l'une de vos priorités en même temps que la construction d'un état de droit. Vous avez inspiré un courageux plan d'adaptation riche de promesses sur le plan économique, y compris pour nos relations bilatérales. Vous avez encouragé par ailleurs une politique allant dans le sens de la promotion des libertés publiques. Liberté de la presse, liberté d'association et de réunion, multipartisme peuvent ainsi être vérifiés par tous vos visiteurs. La Constitution adoptée par référendum en septembre 1992 renforce les pouvoirs de votre Parlement avec lequel nous nous félicitons d'être unis par les liens les plus étroits, tandis qu'un Conseil constitutionnel règle désormais les rapports entre pouvoirs publics. La création d'une deuxième chambre, à la faveur de la nouvelle consultation que vous avez annoncée lors de la récente fête du trône, devrait mettre un terme définitif aux discussions relatives au mode de recrutement de la Chambre des députés. La France, vous le savez, conformément aux attentes de sa propre opinion publique, continuera d'applaudir à de telles initiatives. Il n'est guère étonnant qu'adhérant à de mêmes prémices, nos deux pays parviennent à s'entendre sur les dossiers les plus délicats. Et c'est bien pourquoi le président de la République n'a pas hésité, lors de sa visite officielle au Maroc en juillet 1995, à parler d'une relation placée sous le signe de l'exception. Nous apprécions à sa juste valeur l'action menée par le Maroc en faveur de la stabilité de la région et le rôle de médiateur qu'il joue depuis plusieurs décennies. Actions et rôles qui ont trouvé leur consécration dans les retentissants succès de la diplomatie marocaine de ces dernières années. Conférence des accords du GATT à Marrakech, sommet économique de Casablanca, sommet de l'organisation de la conférence islamique. Nos deux pays sont également conscients de la nécessité de promouvoir un rapprochement de l'ensemble des peuples qui bordent notre mer commune. Le Maroc a participé activement à la conférence de Barcelone, entend occuper une place à sa mesure dans ce nouvel espace qui devrait aboutir à l'horizon de l'an 2010 à la création d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne. L'accord d'association conclu le 10 novembre dernier avec le soutien empressé de la France est particulièrement prometteur à cet égard. Oui, le Maroc et la France ont bien vocation à œuvrer ensemble à l'avènement de cette zone de paix, de stabilité, de prospérité et de coopération. L'action résolue du Maroc en faveur du processus de paix au Proche-Orient, votre implication personnelle si courageuse, sont d'ailleurs une contribution majeure à ce grand et noble objectif. La relance de la construction du Maghreb au sein de l'Union du Maghreb arabe sera à n'en pas douter une autre de ces contributions. Car le succès du partenariat euro-maghrébin passe aussi par un essor des relations politiques et commerciales entre les trois principaux États du Maghreb, que tout doit inciter à la bonne entente. Sire, à l'orée du XXIe siècle, en mesurant, vous et nous, le rôle que jouent nos nations, la France dans l'Europe, comme le Maroc au Maghreb, en Afrique et dans l'ensemble du monde arabe, nous désignons ici nos responsabilités particulières. Elles sont immenses si nous voulons qu'une véritable communauté se renforce et s'affirme de part et d'autre de la Méditerranée. Nous devons donc plus que jamais resserrer nos liens. Dans l'histoire de nos relations, de nos convergences et de nos actions communes, votre visite en France est ainsi promise à un grand retentissement. Nous nous réjouissons que vous ayez choisi que votre passage à l'Assemblée nationale en soit un temps fort. Car ce que vous avez à dire sera entendu au-delà de cet hémicycle et des frontières même de nos deux pays. Aurais-je assez dit, sire, combien vous êtes ici le bienvenu?
Vous avez la parole. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'invitation que j'ai reçue du Président de l'Assemblée nationale appelle de ma part un remerciement chaleureux. Je l'ai comprise comme un signe de profonde amitié entre nos deux peuples. Je voudrais saisir cette occasion pour souligner les multiples qualités du président, M. Philippe Séguin, homme politique de talent et de conviction. Personnalité éprise de justice et d'équité, le président Séguin est également un humaniste avéré à la sensibilité méditerranéenne affirmée et active. Nous y sommes très attentifs, M. le Président. Vous savez nous parler et nous toucher. Vous savez aussi nous écouter et nous comprendre. Cette proximité est un don que vous avez su mettre avec générosité et chaleur au service de nos deux pays. De part et d'autre de la Méditerranée, la France et le Maroc aspirent avec passion et œuvrent avec acharnement à ce que notre monde, si amèrement désolé par le fracas des armes et par la crise économique, trouve la paix, la justice et le progrès. Et je me sens en ce lieu en communion avec les représentants de la nation française et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons. Mon propos pourrait s'arrêter là, tant la communauté d'esprit qu'il implique et la confiance réciproque qui le justifie sont évidentes. Et si je le prolonge pendant quelques instants, c'est parce que l'enceinte où je suis accueilli m'assimile de façon quasi irrésistible à une réflexion. Récemment, votre auguste assemblée a voté une révision constitutionnelle réformant le système des cessions et élargissant le champ du référendum. Du côté marocain, voici quelques années, en 92, la Constitution a été enrichie par la réaffirmation de l'attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, par la création d'un Conseil constitutionnel et par le renforcement des moyens de contrôle parlementaire sur le gouvernement. En ce moment même, se prépare une nouvelle révision tendant à créer une seconde chambre et à donner ainsi une nouvelle dimension à l'institution parlementaire. Elle accentuera encore notre décentralisation, notamment au plan régional. Ainsi, de part et d'autre, les constitutions et leur fonctionnement évoluent, non certes par plaisir du changement, mais parce que le temps passe, que la société change, et que vivre, c'est s'adapter. Ne nous y trompons pas cependant. Il ne s'agit pas de nous copier les uns les autres. En matière de constitution, il n'existe pas de procédé industriel permettant de livrer des usines institutionnelles clés en main. La simple imitation serait stérile. Si l'on veut s'abandonner à la métaphore, mieux vaut voir chaque constitution comme un vêtement. Un vêtement se dessine et se coud en fonction des formes et des mesures que de celui qui devra les porter. Bien plus,
Celui que l'on habille ne gardera pas immuablement la même silhouette. Les âges de la vie, l'état de santé, la condition physique appellent des corrections qui vont de la simple retouche à un changement d'habit. Peut-être un ironiste suggérerait-il qu'un vêtement est aussi une affaire de mode et qu'il ne faudrait pas faire subir aux institutions des mutations de pure fantaisie. N'y a-t-il pas quelque chose de cela dans l'appel si souvent entendu à la modernité ? Il me semble que l'usage du terme modernité dans sa vie politique est matière malentendue. Certains de ceux qui l'emploient paraissent croire que la modernité politique exige, en dépit de la géographie et de l'histoire, l'uniformité des institutions dans tous les États du monde. Ils se trompent. Ils se trompent, je l'ai déjà dit. D'autres, se croyant pluralistes, pensent au contraire que la modernité est hors d'atteinte pour les pays dans lesquels le respect de la tradition s'opposerait à tout changement réel. Ils ne se trompent pas moins. Cette antithèse mécanique entre le passé et l'avenir, Jean Jaurès l'avait dénoncé à l'avant en s'écriant, et je cite de mémoire, que le fleuve est fidèle à sa source quand il descend vers la mer. Moins éloquemment, hélas, je dirais qu'une communauté de valeurs, le principe démocratique, les droits de l'homme, le pluralisme, peut ressembler, sans se trahir et sans les trahir, des traditions différentes. Peut rassembler, sans se trahir et sans les trahir, des traditions différentes. C'est bien parce que les institutions politiques sont, comme les hommes, vivantes, qu'il faut ne pas les enfermer dans des textes immuables et rigides. Certes, le constitutionnalisme naissant, à la fin du XVIIIe siècle, avait rêvé de faire d'une constitution un livre révélé, défiant le temps et l'histoire. Cependant, mes exemples, dont le vôtre et le nôtre, nous ont appris que, sans que changent à tout moment les règles du jeu politique, il existe dans chaque nation une capacité d'adaptation qui est riche de bons usages. Les textes ne doivent donc pas être immuables. Ils ne doivent pas davantage être rigides. Il faut certes une règle de jeu, mais elle n'est pas une fin en soi, et le jeu lui-même n'en est pas une simple application. Ce jeu est fait de rapports humains entre les gouvernés et les gouvernants, entre les individus et les groupes sociaux, entre le pouvoir central et les collectivités décentralisées. Ce n'est pas un jeu de robots. Aussi faut-il laisser à ceux qui le pratiquent une certaine liberté, un vrai pouvoir d'invention et, non certes contre les textes, mais à côté d'eux, faire place à ce que l'on appelle ailleurs les conventions de la Constitution. Une démocratie est par définition pluraliste. Elle suppose la pluralité des opinions et des partis, des organes de l'État, des niveaux d'administration, des entreprises publiques ou privées, des organisations sociales ou syndicales. Tour à tour, les divers acteurs politiques ont à faire entendre leurs voix qui sont distinctes et aux besoins alternatives, pourvu que sur l'essentiel, c'est-à-dire l'indépendance et l'intégrité nationale, elles se retrouvent à l'unisson. Et quand il s'agit des plus grandes questions, ou lorsqu'il faut faire surgir une décision sur laquelle le gouvernement ou les représentants élus hésitent, le peuple lui-même, s'exprimant dans un référendum, vient couronner la panoplie des moyens d'adaptation. Telles sont les ressources du droit qui sont à la fois la racine et le fruit de la civilisation politique. Elle ne nous livre pas des modèles, mais des expériences. Le profit en est partagé entre ceux qui les conduisent et ceux qui les observent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, en vous soumettant cette réflexion sur l'évolution des institutions, j'ai voulu rendre hommage à votre Assemblée, organe et instrument majeur d'une constitution vivante, et répondre, pour le Royaume du Maroc, au message de l'authentique et cordiale amitié qu'à travers ma personne,
mon pays a reçu. Je vous remercie.